Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je suis à Bobbejaanland. Donc il faut savoir que c'est un parc qui se situe en Belgique et que c'est un parc qui compte quand même pas mal d'attractions sympathiques. Je pense notamment à Fury qui est un coaster de chez Garshauer et Typhoon aussi du même constructeur. Donc on va aller découvrir ça et bien sûr les autres attractions du parc. Ça va être une journée assez sympathique quand même. Je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Donc après avoir été chercher un petit papier pour l'autorisation de filmer, je me dirige vers Typhoon qui est juste ici. Donc on va aller découvrir ça. J'ai déjà fait Fury mais hors caméra comme, car on me l'a refusé simplement parce qu'il fallait ce petit papier justement. Donc voilà, là je vais aller faire Typhoon. C'est parti. Typhoon et Sledgehammer. Donc maintenant je me dirige vers Fury qui est un Infinity Coaster de chez Garshauer tout simplement. Donc je l'ai déjà fait une fois, là je vais vous le faire, je vais vous filmer bien sûr. C'est une très bonne attraction franchement, le launch, le premier launch est vraiment puissant parce que le launch se fait en 3 fois en fait et franchement je m'y attendais pas que ça a cette telle puissance en fait, donc c'est vraiment pas mal. Donc allez, c'est parti pour Fury avec son petit launch qui va commencer, je vais vous filmer. Donc voilà, allez, c'est parti.
après avoir fait Fury qui est vraiment vraiment pas mal, on va se diriger vers Nagabe, un spinning coaster de chez Moher il me semble. Donc on va aller tester ça. Allez, c'est parti. Maintenant on va aller faire Okidoki, le petit coaster de chez Vekoma qui est à côté de la zone Kinderland, qui est assez spécial quand même sur le thème des clowns. On voit que c'est daté quand même, mais ça reste sympa pour les enfants. Donc voilà, c'est parti pour Okidoki. On vient de faire Okidoki, vraiment sympa. Bon, ça reste un coaster familial de chez Vekoma, mais ça reste sympa. Donc là, maintenant, je me dirige vers Bob Express pour le refaire une deuxième fois parce que c'est vraiment sympathique. Donc allez, c'est reparti pour Bob Express. Après avoir fait Bob Express qui est vraiment vraiment sympathique, il va quand même vite et il y a un petit moment de soulèvement. Franchement, pas mal. J'ai super bien aimé, c'était ça à faire, franchement ça à faire. Meilleur coup de Mac que j'ai fait pour le moment. Donc là, direction Indiana River. C'est un flume dans l'obscurité. Avec des décors, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, comme il fait assez sombre dans l'attraction, je vais pas vous la filmer parce qu'on va rien voir sinon, donc c'est pas terrible, mais ça a l'air pas mal, je vais vous dire ce que j'en pense après. Allez, c'est parti pour la suite.
Alors je viens de faire Indian River, donc c'est vraiment un très très bon flume. Les décors vraiment elles sont pas mal, il y a trois chutes et la dernière chute elle mue quand même bien. Bon, je me suis fait avoir mais c'était vraiment vraiment sympathique. Donc après avoir fait Indian River, comme vous pouvez le voir, je suis trempé, c'est un truc de fou. Donc là on va aller faire Dreamcatcher, le fameux coaster suspendu du parc. On va aller faire ça, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Après avoir fait El Rio Grande, très sympathique avec le tourbillon, je l'ai jamais fait et c'est vrai que c'est sympa. Maintenant direction Révolution, je pense que ça va être un bon coaster, en plus le train est super long, donc allez c'est parti pour Révolution. We'll be right back.
C'était une journée très très sympathique à Bobbejaanland, franchement j'ai adoré. Je pense que je vais y retourner très prochainement parce que c'est vraiment un putain de parc. C'était vraiment bien. Fury est exceptionnel, il est quand même puissant. Typhoon également. Et toutes les autres attractions du parc sont sympas aussi, donc c'était vraiment vraiment bien. Donc je recommande ce parc. Vraiment c'est un des meilleurs parcs que j'ai fait, donc je vous le conseille tout simplement. Donc voilà. N'hésitez pas à dire aussi en commentaire si ce vlog vous a plu. Et mettre un petit pouce bleu aussi si vous voulez. Et voilà. C'était Anistra et je vous dis à la prochaine. Salut! We'll be right back.